mais quelques principales informations qui pourraient développer dans le journal pour journée aujourd'hui. Premièrement, je vais inviter à regarder un petit coup de vidéo côté qui un journaliste confirmé ce que je vais dire. Premièrement, c'est qui joue exactement qui pas trop loin 20 blindés qui ont atterri sur le territoire pays d'Haïti accompagné de drones sophistiqués avec un pile munitions avec vêtements lourds, des poids lourds sophistiqués pour PNH en pays d'Haïti. C'est qui joue qui pas trop loin exactement. Malgré un pile pays campé en quoi, mais dans quelques jours encore là, blindé va atterrir sur le sol pays d'Haïti. On va le faire regarder un coup de vidéo et on va le très bientôt. Deuxième point qui va le développer, c'est là qui ça, qui a venu avec matériel ça yo, vient blindé ça yo et pour qui ça. On va voir tout le détail, mesdames et messieurs. Troisième point qui va le développer, c'est le tribunal de première instance. N'importe quoi, ce qui invite Louko Desi pour paraître, pour venir répondre à la question de la justice, sous dossier de assassinat l'ancien président Jovenel Moïse. Avant de tout détail de ça, je vais inviter premièrement, tendez Louko Desi qui a parlé de l'invitation qui a fait là, côté la pli, la fait lecture des mandats qui a ouvert Balia. Après, je vais tout détail. S'il vous plaît. Maintenant, pour venir devenir mon plateforme ça, si vous pouvez faire ça. Il y a un écrit rouge qui marque s'abonner en bas. Cliquez sur les trois fois et partagez la vidéo ça. Merci parce que vous êtes un membre déjà. On va continuer si pour le travail là. Mesdames et messieurs, à nous entrer en dans détail pour journée aujourd'hui. Premièrement, je vais inviter autant de un journaliste qui a parlé de ça. Je vais venir très bientôt. Important. Bon, vous avez la nouvelle là. Blindé, supposé, fini par avion. Papa, tu vas prendre ton temps. Non, moi, je ne sais pas. Une semaine, ça fait. Écoutez, c'est une bonne nouvelle que je diffuse pour la population. C'est par avion. C'est le jour. Depuis le film de notre avion, on peut tout de suite venir avec. On les a fait. Mesdames et messieurs, nous retournons encore pour plus de détails. Tendez bien. C'est une raison avant que me dise ça que m'a dit. Moi fait autant de un journaliste qui est vraiment reconnu en pile dans le pays d'Haïti qui est Gary Pierre Paul. C'est pas seulement qu'a parlé de ça qu'a bail information si là. Premièrement, 20 blindés ça yo côté que l'État haïtien, c'est pour la première fois ça fait dans l'histoire. De 1804 à nos jours, de 1804 à 2022, c'est pour la première fois, mesdames et messieurs, l'État haïtien officiellement acheté matériel pour PNH là. Qui coûtait 12 millions de dollars américains. Mesdames et messieurs, le mercredi passé, contre ça a été signé, côté que film la tête sorti en Israël, entré dans le pays d'Haïti, vient faire certaines vérifications. Et yon testé, mesdames et messieurs, environ d'une semaine, dans 7 jours encore là, que matériel ça doit atterrir sur le territoire national d'Haïti. C'est bonne nouvelle, mesdames et messieurs, à nous faire que nous content, malgré il y a un pile pays qui campait. En quoi? Il n'y a pas d'accord pour Haïti acheter munitions. Il n'y a pas voulu Haïti bien blindé. Mesdames et messieurs, dans environ encore 7 jours, il y a une semaine, mesdames et messieurs, blindé ça a atterri sur le territoire national d'Haïti. C'est la raison pour laquelle moi-même, je vais choisir des informations, ça qui n'est pas fait autant de. Il y a un autre grand journaliste haïtien attendait à travers le monde entier qui confirme ça et qui baille certaines informations de cela. Il y a un pile de journalistes toujours qui a parlé de ça. Moi-même, je cherchais information de bonnes sources. Dans une semaine encore, mesdames et messieurs, dans 7 jours environ, ça veut dire 6 semaines à fin passé. Lundi, c'est le bonnet bonnet entre mardi et mercredi. Dans la semaine qui a commencé,
blindé ça ou ta doué atterri dans le pays d'Haïti. Son bonne information, nous devons connaître en détail. Mesdames et messieurs, map content, wap content pour Haïti capable bien sécurité. Moi-même, je suis pas Haïti et je suis pas à l'aise côté ma ville parce que je suis pas dans le pays. Y a un côté pour Haïti pire à l'aise, c'est là que vous en bas de drapeau, mesdames et messieurs. À nous prendre l'autre information qui est importante. Pas fait qu'est cassé, la main de l'Éternel a travaillé dans le dossier Haïti actuellement là. Malgré grand prix la campé à quoi pour bloquer le projet, mais l'Éternel lui-même qui remet Haïti, parce que grand pile on cap prier Haïti, mesdames et messieurs, eh bien, actuellement là, dans environ 7 jours encore, une semaine, bagay sa ou doit atterrir dans le pays d'Haïti. Drone sophistiqué, gilet parabole, machine blindée, kage en la tête li, M60, gros Galil, pour tirer bien loin. Mesdames et messieurs, c'est une bonne information. À nous prend deuxième point qui va le développer. C'est là qui ça que y a vini. C'est ça qui fait ou te tende en d'un coup de vidéo qui m'te fait passer ya. Côté que Gary Pierre Paul comme journaliste a parlé de ça tout. Mesdames et messieurs, tellement de ceci là, li rapide. C'est pressé, pressé, yo vle que pour atterrir avec blindé yo. C'est dans avion, y a poté matériel si la ou vini nan pays d'Haïti. Nan avion militaire. Et pour question de bateau, pour aller faire combinaison, y a lancé missile sur bateau pour y plonger, sans façon pour dire comme ça, problème passé, l'argent qui t'en baille, en tout cas, Haïti, pas bénéficié, 20 blindés, accompagnés de drones sophistiqués et latriers. Mesdames et messieurs, l'État haïtien fait un coup dans sens ça, il est tellement intelligent. Il signe contrat, c'est un avion militaire, ça veut dire, dans une heure de temps, dans deux heures de temps, trois heures de temps, c'est plop plop. Mettez bagayo dans l'avion poté au bail l'État haïtien et spécialement PNH là. Son bonne nouvelle toujours. Me félicite ça. Si c'est un bateau, ou bien un bâtiment, vous pouvez prendre trop de temps, mesdames et messieurs. Quand il y a un magouille qui fait, vous voyez, attaquer bateau si là dans la mer, c'est une façon que tout pays qui pas accepter nous gagne blend de ça, yo, vous pouvez porter victoire. Mais déjà, Haïti porter victoire, et nous continuer à célébrer la victoire sur tout le monde qui parle de Haïti avancer. À nous prendre, mesdames et messieurs, troisième information qui parle développer dans le journal pour journée aujourd'hui parce qu'elle est importante. Avant que je parle de ça, je m'invite autant de Louko Desika à parler. Justice, Lucien Desio, Louko Desio, invité au cabinet d'instruction le mercredi 6 juillet 2022 pour être entendu sur le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. À quoi peut-on s'attendre? Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, cabinet d'instruction. Port-au-Prince, le 27 juin 2022. Monsieur Lucien Désir, Radio Éclair. Monsieur, le juge d'instruction sous-signé. Mesdames et messieurs, à nous entrer dans le détail, moi félicite parce que vous êtes patienté, vous attendez le Louko Desika qui a parlé, qui a fait l'exil. De ce cela fait triste en pile, l'aime tendez que la justice haïtienne a continué avec le même processus. Dossier assassinat Jovenel Moïse. Pas oublier, jour qui était 10 juin, qui était passé à là, gang te entré dans le palais de justice, mesdames et messieurs, te pote aller tout ça que te gagné. Pas gen dossier encore qui te rete. Mais, juge là, qui paraît sous dossier ça. Premier monde qu'elle invite, c'est Louko Desi, pour venir répondre à une question, sous assassinat l'ancien président Jovenel Moïse. Est-ce qu'on pas étonné de ça? Ou pas saisi? Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je ne peux pas défendre Louko Desi.
pas il pas impliqué dans assassinat l'ancien président Jovenel Moïse. Ou pas je me connais. Mais ça que me connais, il y a un pile policier qui était impliqué dans assassinat jusqu'à présent. Il n'a pas fait aucune démarche pour arrêter ou pour venir répondre à une question. Il y a un pile monde qui a cité toujours dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il n'a pas fait démarche pour arrêter. Or, c'est le code de Zi qui a convoqué le 6 juillet pour le paraître devant le tribunal venir répondre à une question. Sous question de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Mesdames et messieurs, jusqu'à ce présent, d'après les informations de FBI, il y a environ 23 millions de dollars américains qui étaient payés pour assassiner Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, pourquoi il y a une enquête qui fait pour connaître, c'est qui est-ce qui était payé 23 millions de dollars pour assassiner le président. Qu'on est là, il a convoqué le Codési pour le paraître devant le tribunal pour venir répondre à une question. En tout cas, mesdames et messieurs, je félicite le Codési parce que le guide est disponible pour aller le 6 juillet. Il dit qu'il est prêt pour le paraître devant le juge de paix pour aller répondre à une question. Et si le Codési allait, je espère que il y a l'autre monde toujours qui a brûlé dans les médias. Parce que après Jovenel fin mourir, c'est le premier média qui a annoncé ça, que yo assassiné président Jovenel Moïse. En tout cas, n'a pas santé. Mesdames et messieurs, je vous en pile merci parce que vous avez regardé la vidéo ça. Quittez un commentaire s'il vous plaît, dites-moi qui vous avez regardé la vidéo ça. Quittez un like. Et puis partagez-le s'il vous plaît. Et si vous pouvez devenir membre de la plateforme ça, je vous conseille de faire ça. Abonnez et partagez. Merci. À bientôt.